L'heure est grave pour ces parents d'élèves du collège de Mgumbani. Une dizaine de jeunes sèment la violence dans le quartier. Des enfants, connus de tous, avec parfois des parents, élus ou membres des parents relais. Il faut donc agir pour ce père de famille. C'est entrer dans les maisons des parents, leur demander qu'est-ce qu'ils ont comme problème avec leurs enfants. S'ils sont dépassés eux-mêmes, si les parents sont dépassés, là on passe à l'étape suivante. On va aider les parents. Si les enfants ne veulent pas entendre ni leurs parents, ni ce qu'on leur raconte ici, dans ce cas-là, il faut enclencher la procédure d'expulsion. Ces parents d'enfants fauteurs de troubles et de caillassage sont absents de cette rencontre, mais ils auront bientôt une visite du conseil citoyen. Les enfants qui sèment le trouble, pour pouvoir aller voir leurs parents, pour pouvoir établir déjà une relation, une communication et une information et leur donner en exemple un avertissement. Un avertissement, ça signifie qu'il faut qu'ils prennent en charge leur rôle de parents, qu'ils s'occupent de leurs enfants, qu'ils arrivent à parler à leurs enfants, leur éducation. La mairie de Mamoudzou promet également des actions. On va rassembler tout ce beau monde avec les autres partenaires, les lycées, les collèges. Et puis, on va voir comment l'approche va se faire pour que justement on puisse remédier. Surtout, d'autant plus que nous, c'est la prévention et l'accompagnement des familles qu'on pourra faire dans l'immédiat. Cette réunion devrait avoir lieu le week-end prochain.